Et eh bien bonjour à tous, comme je l'avais dit, on allait recevoir des colis cette semaine. Et du coup, on a reçu le premier colis qui vient de chez Amazon. Donc, c'est une commande que j'ai effectuée moi-même. Donc voilà, le colis qui vient de chez Amazon. Euh, J'avais commandé prime, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Euh, par contre j'ai eu un temps d'avance. Je sais pas pourquoi l'emballage le, n'est pas prime, enfin on s'en fout. Donc euh, on va déjà commencer bah, par déballer, ok Donc avant de commencer cette vidéo les amis, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche des no notifications et bien sûr de liker, de mettre votre plus gros pouce bleu. Alors on a trois petites commandes. Normalement, s'il y a tout qui est dedans, mon application dit que j'ai été livré de tout. Donc on va voir. Alors par contre j'ai pas encore de nouvelles pour le clavier The G Lab, je sais pas euh, quand il arrivera. Euh, probablement demain. Donc euh, il faut savoir qu'aujourd'hui on est le lundi 4. Donc vous avez normalement à ce moment-là la vidéo sur le lobby du coup de Call of Duty Cold War. Donc euh, je verrai les retours bah, quand, quand je verrai, hein, voilà. Et, euh, et donc du coup euh, voilà. Sinon euh, pff, voilà. C'est ce que j'avais à dire. Je n'avais pas d'inspi du tout. J'ai même pas fait d'intro, rien du tout. Donc les amis, on va faire ça d'une manière délicate. On va faire ça tout doucement. On va, on va chercher. J'espère de tout cœur, parce que je suis en train de regarder, mais j'espère de tout cœur que le produit que j'ai commandé, il y a bien tout ce qui est mentionné. Parce que sinon, ça va être la merde. Donc du coup, on enlève déjà ceci. Voilà, ça c'est déjà bien. Ok, voilà. Alors on va commencer par le tout premier produit. Euh qui pour moi est très important, voilà, parce que en fait c'est deux produits qui font la même chose. Enfin, je sais pas que si vous comprenez, mais c'est deux produits qui font la même chose, grosso modo. Donc ici on va commencer tout simplement avec le noir Alors euh, tout simplement, qu'est-ce que c'est Ce sont des petits euh, emplacements en caoutchouc dans lesquels il y a un double face. Ces emplacements en caoutchouc vont venir délicatement se placer sur mon bureau. Et ça va servir à quoi Ça va servir à faire passer les câbles. Donc vous l'aurez compris, c'est un objet qui sert au câble management. Donc du coup ici, on a un pack de 5. Je les ai payés 7,99€. Je trouvais le prix assez cool, franchement, c'était bien. Donc du coup ici, on va vérifier un peu ce que ça donne. Ouais, ok, j'ai tout fait tomber, nickel. Ça commence bien la vie. Hop. Donc voilà, premièrement, on va commencer les gars avec ceci. Donc on a un avec 5, 1, 2, 3, 4, 5, voilà, 5 ici. Donc en fait, tout simplement, vous faites passer les fils. Donc par exemple, on va prendre un exemple. Je vais prendre mon câble, voilà, mon câble d'iPhone. Regardez ici. Euh, je vais prendre celui avec 1. Donc là, on en a avec 1 tout seul. On va faire passer le câble dedans. Normalement, la magie devrait opérer. Donc voilà, comme ceci. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est bon, voilà, là le truc, vous voyez, il est attaché. En fait, ce qui va se passer c'est qu'on va venir le coller en double face juste là, et du coup les câbles vont passer ici, ce qui va permettre en fait d'avoir une certaine droiture au niveau des câbles et que ça ne va pas être brouillon du tout. Donc ça c'est relativement cool, surtout pour les périphériques comme la souris, le clavier, etc. Donc on en a bien un avec un passage, deux passages, trois passages, quatre passages et cinq passages. Du coup, ça fait un total de cinq petits embouts. Franchement, c'est relativement chouette. Alors, attention les amis, je ne vais pas dans cette vidéo installer le câble management. Je réserve ça à une autre vidéo où là on va faire carrément un setup room. Ça veut dire que je vais regarder en fait avec vous tout ce qui entoure ma pièce et comment je vais agencer les choses. On va enchaîner avec le produit suivant du coup qui est Made in China lui aussi. Lui je l'ai payé 10,99€. Euh, voilà, en fait tout simplement ce sont des clips. Ça va servir au câble management également. Donc des clips, je vais expliquer ce que c'est. Donc tout simplement, c'est encore une fois la même technologie double face. Donc encore une fois avec euh, la colle 3M. Hein, donc de base, c'est un peu, enfin toujours celle-là qui est reprise. Donc on a des petits feuillets en fait euh, de colle 3M qu'on va venir en fait coller au dos de ces petits clips en plastique. Attendez, parce qu'ils sont tous emmêlés. Voilà, de ces tout petits clips en plastique. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va passer les câbles dedans. Donc, je vais reprendre mon câble, mon câble iPhone, voilà. Donc, en fait, on va passer, hop, un câble comme ça, et on le passe comme ça. Voilà. Et en fait, ce qui va, ce qui va se passer, c'est qu'on va les coller, en fait. Par exemple, ici, ça, c'est un câble de 3 mètres. À mon avis, celui-ci, il va être collé, je crois. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que, par exemple, tout ce qui est, par exemple, rallonge... Enfin, là, rallonge, ça passera pas, mais tout ce qui est, par exemple, câble, par exemple, de, 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 de PS4 le câble d'alimentation de la de, de la Xbox etc tout va passer dans ces petits clips que je vais coller tout le long de mon bureau et ce qui va empêcher en fait les câbles de de, de de faire des guirlandes et de, de, de comme là actuellement comme c'est le bordel actuellement et c'est pas possible du coup il fallait absolument commencer à faire du câble management parce que quand quand on commence à avoir trop de choses c'est ça l'ennui et là on va passer les amis du coup au colis le plus lourd euh, et le dernier ça m'étonne d'un truc, c'est que je vais vous mettre la photo à l'écran maintenant de l'article. Quand vous allez voir l'article, les gars, maintenant, c'est. C'est pas possible. Regardez la boîte. La boîte est toute petite. Comment ça peut rentrer dedans C'est pas possible. Donc, du coup, les amis, on est bien encore avec la marque New Year. Euh, en fait, euh, je vais arrêter de dire New Wear parce que ça se dit New Wear déjà. Voilà, c'est moi qui dis Wear tout le temps. Je sais pas pourquoi. Donc c'est New Wear déjà. Et alors il faut savoir qu'au niveau des produits New Wear, bon, je sais qu'il y en a. Je présente énormément de produits de cette marque. Le fond vert est New Wear. On a la lampe, la Ring Light qui est New Wear. On avait également à l'époque, si vous vous souvenez bien, on avait la Softbox, les gars, qui était New Wear également. On avait la première Ring Slide sur le déballage Amazon qui était newer aussi. Donc du coup on va voir un peu parce que là je suis un peu sceptique. Je suis un peu sceptique. Donc en fait à savoir que ce colis je l'ai eu au prix de 54,99. Actuellement le prix a encore augmenté. Il est à 59,99. Pourquoi j'ai acheté ça Sur mes streams vous voyez que je disparais constamment, c'est-à-dire qu'il y a des parties de mon corps qui disparaissent. Là, j'ai la lumière du jour, vous allez voir. Je suis incrusté dans un fond, je peux changer de fond 17 fois, ça va, rien changer. Je vais toujours être bien incrusté, les choses vont pas disparaître. Enfin, enfin bref, vous avez compris. Donc là, c'est un peu embêtant parce que la caméra en fait de la PS4 que j'utilise pour stream, c'est pas une caméra de ouf, de ouf. Donc on commence déjà le déballage. Donc les gars. Ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas baisser la caméra. Je vous explique pourquoi. Si je baisse la caméra, ça va aller hors champ fond vert. Donc à savoir que j'enregistre avec la caméra euh, Xbox, donc la Kinect V2, qui a un champ très large. Genre vraiment très large. Alors regardez, je peux étendre mes bras. Regardez, je peux étendre mes bras. Et les gars, j'ai une envergure de 2 m30, euh, 2 m50. Et regardez, j'ai limite tout qui est dedans. Donc c'est incroyable. Donc le packaging se présente comme ceci. Moi personnellement, c'est le premier produit de chez New Year qui est propre. C'est le premier produit de chez New Year qui est propre. Je ne vais pas vous le cacher. C'est le tout premier que je trouve aussi propre. La Ringslite, euh, je ne vais pas vous le cacher. La slide quand elle est arrivée, j'ai eu l'impression de recevoir. Euh, comment expliquer euh, Un jouet. Vous voyez les vieux jouets que vous avez dans les magasins, les faux jouets là euh, les dans, dans des boîtes bizarres voilà vous voyez ça les qu'on s'en fout la limite tu vois on met, on met juste un papier on met un papier de merde autour tu vois juste pour dire deux ah ben c'est ça j'avais reçu la ring comme ça vous l'avez vu en déballage voilà et c'est la première fois que je vois que c'est aussi beau il est aussi bien fait donc on va commencer déjà avec un panneau moi ce que je veux voir c'est est-ce qu'il y a les pieds c'est les pieds moi c'est les pieds donc les panneaux oh ils sont légers ok les panneaux sont très légers ah c'est ouf c'est si léger que ça, un panneau LED. Bon, après, attention, c'est des panneaux à 50. Euh, ils sont à 50 euros et ils sont vendus par deux. Techniquement, je devrais avoir des pieds avec. Donc, on va voir. Ici, on a donc le deuxième panneau qui est là. Donc, deuxième panneau avec un câble qui est quand même assez long. Donc, après, on va les installer. Mais je ne vais pas les installer en stream. Je vais les monter. Je vais vous montrer quand ils sont montés. Je vais les allumer parce qu'apparemment, il y a un petit changement d'ambiance qu'on peut effectuer. Mais c'est tout. Genre, je vais, pas, je vais pas essayer de faire n'importe quoi parce que de tourner la caméra, etc. Sinon, ça va être le gros bordel. Si euh, je vous fais la vidéo où je fais le setup room, je filmerai du coup avec mon iPhone 11. Ce sera plus simple. Au moins, j'ai la caméra en main. Juste l'audio qui sera moins bonne. Mais bon, ça, voilà, on fait avec. On peut s'en servir comme selfie stick. Enfin, genre, il y a une poignée. Il y a carrément une poignée en... Enfin, comme, euh, comme une poignée de vélo. Ça, c'est cool. Par contre, on peut visser ça ici. Regardez. Donc je vais déjà faire ça. Je suppose que c'est ce qu'il faut faire. On va visser le trépied ici. Hop. Voilà. Bon, ici c'est vissé. J'ai pas trop forcé, forcé. Donc ça m'a l'air relativement stable. Donc là en fait, plus ou moins les gars, le champ de vision, que vous voyez, je suis à 10 cm du bureau. Là où vous voyez ma main, j'ai 10 cm du bureau. Donc là y a, là ici il y a bien, je pense, un mètre. Et je crois qu'on peut encore étendre si je ne me trompe pas. Donc ici on voit... Tourner pour... Tourner pour... Oh Tourner pour agrandir. Oh Oh, fuck Ils sont grands. Oh, nickel C'est ce qu'il me fallait. Ah, ils sont super grands, les gars. Ah, oui. Ah, je... Attendez, je vais... Ben, je... Voilà, je vais montrer. Regardez. Ils sont super grands. On sait pas... Non, je pense que c'est la limite. Bon, après, attention, les gars, c'est du plastoc. C'est vraiment du plastique. Donc ça, c'est faire attention. Parce que le plastique, ça se casse vite à force d'être manipulé. Donc on a déjà un premier pied. Ça, c'est cool. Du coup, on va voir un peu avec un panneau LED. Alors, j'ai oublié de préciser, les panneaux LED sont connectés en USB. Donc, il va me falloir beaucoup d'USB. Donc du coup, je ne sais pas où je vais les mettre. Ça, c'est chaud. Je sais pas où je vais les brancher parce qu'il va falloir beaucoup 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 d'USB. Et ensuite troisième item que je suppose ça se met au bout, je, ouais je crois, c'est du coup euh, ceci. C'est je pense une boule direction, ouais c'est une boule directionnelle. Donc c'est un stabilisateur je suppose. Donc ici on dévisse, voilà. Et là on a une petite boule ici à l'écran, vous allez voir. On a une petite boule directionnelle du coup. Donc là en fait on vient et on met donc par exemple ici je vais le serrer comme ceci. Voilà, on va venir prendre ceci et on va venir du coup le visser. En fait, ce qui va, faire, ce qui va se passer, c'est qu'on va gagner, on va avoir un gain euh, de stabilité. Et ça, c'est cool sur un produit à 50 euros. Bon après, maintenant c'est bien pour les pieds. Là, on parle que des pieds depuis tantôt. Euh, on n'a pas encore allumé le spot LED, on va voir un peu ce que ça donne. Bon, voilà, ça c'est déjà fait. Donc du coup, maintenant, on déballe un spot LED. Hop, c'est parti. Ok, c'est très, très, très léger. Franchement, c'est du plastique. Alors, à savoir que du coup, ça consomme 10 watts. C'est en 5 volts 2 ampères. C'est euh, le modèle Z10S, du coup. Alors, vissable en dessous. Et je vois ici qu'on a un petit... Hop Et là, on a les barrettes de LED. Ça, c'est cool. Donc ici, on a la couleur blanche. Hop Alors, je ne sais absolument pas s'il faut laisser ça. Euh, je suppose que non. Je suppose que ça s'enlève. Donc, on va... Hop, le visser ici. Très petit. Moi, je m'attendais à quelque chose de plus grand. Mais c'est bah, cool. Bah, c'est petit. Ça prend pas de place. Ça, c'est relativement cool. Après, maintenant, à voir la portée que ça va donner. Ça, je sais pas. Donc, j'espère que ça a quand même une sale portée. Parce que voilà, 50 euros, c'est pas cher. Mais c'est quand même 50 euros. J'ai un USB de disponible. Du coup, je, je parle trop près du micro. Si ça se trouve, ça va être dégueulasse. Hop, donc je branche l'USB. Ok, quand on branche l'USB, les gars. On a la petite télécommande qui du coup euh, s'allume. Ici on va effectuer hop, un allumage. Voilà ce que ça donne. Donc actuellement, là, vous l'avez en face de vous. Ok Donc on va voir un peu, je vais le mettre face à moi pour voir ce que ça donne. D'habitude, je suis déjà blanc, mais là je vais être encore plus blanc. Donc voilà. Donc ce qui est cool, voilà, c'est qu'en fait, moi, ce que je voulais, voilà, je pense que je vais avoir le résultat que j'attendais. Donc, là, ici, on peut régler bien sûr la luminosité parce que là, c'est très très fort. Voilà, donc on peut vraiment régler la luminosité en fonction de la nécessité. Donc, ici, on a le spot LED. Là, je l'ai mis à fond. Et du coup, on aura le deuxième spot LED qui va venir éclairer. Ce qui va en fait effectuer du coup un blanchissement derrière et qui va donner une égalité au fond vert. Et du coup, forcément, utiliser un fond vert sans lumière, c'est un peu chaud. Alors pour moi, le LED n'est pas agressif au niveau des yeux. Pas, je ne ressens pas une agression. Maintenant, moi, ce que je veux tester, les gars, c'est les petits feuillets de couleur. Franchement, ça a l'air le feu. Voilà, j'ai trouvé comment il faut faire. Donc voilà, ici, on a une clarté rouge, les gars. Donc à l'écran, ça ne se voit pas très bien. Mais c'est rouge. Voilà, moi, je le vois en rouge. Euh, on essaiera on en stream le soir, du coup, pour voir quest ce que ça donne. Euh, là on a du rouge, j'ai envie d'essayer un peu, j'ai envie d'essayer le bleu, j'ai envie de voir le bleu ce que ça va donner Hop voilà, du coup là je suis en bleu que, Par contre ça se voit pas du tout à la caméra, ça se voit pas du tout Bon bref, moi j'ai une ambiance bleue, je trouve que c'est cool, ça donne vraiment bien Hop je change, par contre ça les gars ça pète les yeux, un truc de fou Et on va passer au jaune, moi le jaune ça a pas l'air, euh... ouais ça a pas l'air fou Le jaune c'est, ah ouais ça pète les yeux, oh non, le jaune c'est pas possible. tire le jaune. Ok, bon, moi personnellement, de toute façon, j'ai toujours utilisé en blanc. C'est pas dans mon intérêt de mettre des couleurs. Sauf si vraiment, voilà, on fait un petit truc où on a besoin de couleurs. Honnêtement, genre, ah, je sais par exemple. Imaginons, on fait un petit, euh, je sais pas moi, une petite vidéo, euh, un petit jeu d'horreur. Genre un petit, euh, je sais pas moi, un petit euh, Outlast ou quelque chose comme ça. Là, on pourrait vraiment mettre une ambiance rouge. Ce serait vraiment top. Donc, du coup, ici voilà, nickel. Donc, on a nos petits cartons, nos petits cartons de couleur, ça fait plaisir. Oh putain, c'est vraiment trop cool. Je, je, je suis hypé par ce produit. Bon, après, les gars, évidemment, c'est en attendant. Ça, on va, on va pas se le cacher, c'est en attendant. C'est pas du matos, c'est pas du matos professionnel. Euh, déjà, pff, ouais, c'est pas du matos professionnel. Quand tu vois déjà quand je bouge l'USB, euh, la lampe elle se demande quoi. Euh, voilà. Donc, ici, franchement, c'est cool. C'est des sales produits. Par contre, j'aime vraiment bien leurs produits. Par exemple, moi là, j'ai la Ringslide qui est utilisée utilisé, là pour le moment, et c'est notamment, franchement, c'est super cool, non je, je, Franchement, sans rigoler, je suis étonné, je suis étonné des produits. Ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais monter, euh, je vais monter du coup le produit, euh, enfin le suivant, le deuxième, et je vais les allumer tous les deux pour voir ce que ça va donner. Alors là, du coup, les gars, je viens de monter les deux, donc les deux sont en place. Je vais allumer la première, hop, et la deuxième. Hop et voilà. Donc là, je suis très très blanc. Euh, d'ailleurs, même le micro, il est même lui-même très blanc. Ça fait d'ailleurs très bizarre d'être super éclairé parce que là, j'ai vraiment l'impression d'être dans un. J'ai vraiment l'impression d'être dans un vrai setup là. Pour la première fois, j'ai vraiment l'impression d'être bien éclairé. Ça fait plaisir. Je vais juste diminuer pour voir un peu si on agence un peu les couleurs. Alors pour tout ce qui est câble management, pour tout ce qui est, ouais voilà, câble management, tout ce qui est. Euh passage des câbles, etc. Ce sera pour la vidéo setup room. Voilà, vous m'avez demandé à la base une vidéo setup, puis après, il y en a qui m'ont dit, fais plutôt un setup room. Euh, voilà, j'ai essayé de chercher la différence. En fait, setup, c'est tout simplement, ben, je présente mes compos, donc je monte mes produits, tout simplement, je reste au bureau et je dis, voilà, j'ai un clavier, j'ai la lab j'ai ceci, j'ai cela, j'ai tatati. Voilà, c'est vraiment comme ça. C'est pas mon but, j'ai envie de faire le tour, j'ai envie de faire le tour du propriétaire, on va dire comme ça. J'ai envie de vous montrer un peu euh, comment s'agencent les choses dans mon bureau. Euh, voilà. Donc euh, franchement, euh, je préfère vous montrer. Je préfère vous montrer honnêtement comment les choses s'agencent, comment je vais faire pour mettre les clips, comment je vais faire, voilà, plein de choses, plein de détails. Et comme ça au moins ce sera propre, ce sera vraiment clean. Et vous, vous aurez vraiment quelque chose de qualité cette fois-ci. Vraiment une belle vidéo. Donc j'essaierai de faire mon possible. Merci d'être super tolérant comme d'habitude. Les gars, on est déjà à 1679 abonnés. Ça veut dire qu'on est bientôt aux 1700, bientôt les 2000. Si on atteint les 2000 avant fin janvier, on aura atteint l'objectif. Du coup, vous avez compris. L'objectif, c'est plus ou moins de choper. 1000 abonnés par mois. Ce serait vraiment l'idéal. Franchement, l'idéal. Si on pourrait même avoir un power-up, un gros power-up dans l'année, franchement, ce serait vraiment le top. Si, mon objectif pour 2021, c'est ma résolution c'est 10 000 abonnés. Ma résolution, c'est 10 000 abonnés pour 2021. Et il y a moyen qu'on y arrive. Mais il n'y a que vous qui avez cette force. Euh, donc, du coup, voilà. J'espère quand même que. Cette vidéo vous aura plu, que du coup les produits... Bon, j'ai un peu... J'ai passé moins de temps sur tout ce qui était cab management, parce qu'on y reviendra dans une autre vidéo. Je les ai déballés parce qu'ils font partie des produits. Mais voilà, moi ce qui m'intéressait, c'était les deux lampes. Vous avez vu, elles sont super belles, elles sont super puissantes. Elles sont magnifiques, petites, compactes, elles sont cool. Voilà, je vous les mets, euh, je vous les mets comme ça, face cam, hein, si vous voyez un peu. Donc voilà, c'est vraiment deux produits qui sont super pour commencer, moi je trouve. Euh, voilà, on va dire que c'est des lampes d'entrée de gamme parce qu'il y a les Elgato Keylight. L'Elgato Keylight c'est 200 euros la lampe. Maintenant, une Elgato Keylight suffit pour faire du stream. Généralement, les streamers ont deux Elgato. Donc là, ça fait déjà 400 euros. une ring light et le gâteau c'est 100 euros. ça fait 500 euros rien que pour de l'éclairage. Après, on a une valeur sûre, on a une, on a une valeur sûre au niveau de l'éclairage, ça j'en dis qu'on vient pas. Mais bon, là quand même les gars, euh, on va pas on va pas non plus pleurer, on a vraiment un bel non, on a vraiment un bel éclairage. Et même si je dois mettre les lampes de manière proche, c'est-à-dire que je dois vraiment les mettre à côté de mon écran, enfin c'est là qu'elles vont être, mais si je dois vraiment les mettre à côté, euh, voilà, je ne sais pas comment je vais les agencer, après je sais que je peux encore les monter, je peux encore aussi les régler, les pencher, les incliner, donc je peux vraiment faire plein de choses, et je pense que c'est ça que je vais faire, je vais m'amuser à faire tantôt en stream, on va régler un peu tout ça, donc voilà, franchement, c'est vraiment le tout pour cette vidéo, j'ai vraiment passé, euh, je pense, plus de temps sur les lampes, et euh, voilà, du coup, c'est cool, c'est relativement chouette. Et euh, j'espère que du coup, ces deux produits vous auront plu. Tous les liens sont dans la description, que ce soit pour euh, le triage des câbles, les clips et également ces deux lampes-là. Donc, c'est une commande qui, pour moi, pour les produits, m'ont revenu plus ou moins à 70 euros. Je trouve que franchement pour commencer, 60 clips pour du câble, câble management, c'est bien. Après, il y a d'autres solutions hein, pour le câble management, mais on en parlera dans une autre vidéo où là, je vous parlerai vraiment de toutes les solutions qu'on peut avoir en câble management. Donc voilà les amis, on va en rester là pour cette vidéo. J'espère que du coup, ces deux petites lampes vous auront plu, que tout le reste euh, vous aura plu également. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications, de déposer votre plus gros pouce bleu et on se dit à la prochaine. Pour un prochain unboxing, n'oubliez pas les gars qu'il y a des playlists, elles sont là pour ça. Dites-moi vos retours en commentaire si ça vous intéresse d'avoir ces deux lampes, si pour commencer à streamer, voilà. Donc elles peuvent s'accrocher également à des appareils photo. Donc ça c'est vraiment le top. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Salut à tous. Tchuss.